Salutations personnes de tous sexes et bienvenue dans cette nouvelle VOD. Aujourd'hui, on commence un jeu qui s'appelle Restless Souls. J'en ai pas trop entendu parler, je sais plus pourquoi je l'ai acheté, mais je l'ai. Et on va commencer ça. Qui joue ? Bob. Plus connu sous le nom de... Garvoog. Confirme ton nom, Garvoog. Oui. Attends! Je veux un nom aussi! Trop tard. Alors attends, il faut une voix de narrateur. La voix de narrateur, il faut que ce soit un truc un peu quand même badass. Donc on va plutôt partir aller chercher des trucs de ce genre-là. Alors un truc un peu comme ça. Oh ouais! Est-ce qu'on fait un narrateur comme ça? Ou un narrateur plutôt comme ça? Est-ce que c'est plutôt un narrateur qui a une voix rauque, aiguë de fou? Ok. Très bien. Donc je serai votre narrateur. Avec une légère réverb. Voilà. C'est moi votre narrateur. Aiguë de fou comme Batman. Ouais, le fameux Batman aigu. Grave. Eh ben c'est trop tard. Voilà, flûte, hein. On va pas changer 50 fois. Donc... Trop tard. Mais tu laisses Garvoog choisir. Désolé, le jeu a déjà commencé. Ah non, c'est Gandalf qui fait Batman. Qui fait Batman? Oh non! Mon petit Batman. Bonjour. Oh là là. Coucou bébé chien, ils disent. Allez, je te laisse fuir. Bah, pourquoi tu fais cette tête? C'est toi qui voulais descendre. T'as fait Batman. Tenez, me fait la tête du petit chien triste. C'est bon, j'ai de quoi guérir tous les petits cœurs de bébé chien. Et voilà, petit cœur guéri. Et Edgar, oui, dodo. C'est une feignasse. Il y a un endroit où les âmes vont après la mort. Ils arrivent tous avec des questions en suspens. Des affaires non résolues ou des regrets de leur vie qui étaient bien merdiques. Et c'est pourquoi ils essaient tous d'y retourner. Allez savoir pourquoi. La vérité, c'est que l'au-delà est tout aussi pourri. Cependant, à un moment donné, ils cessent d'essayer parce que c'est pas possible. Ou quelqu'un a les fait s'arrêter. Oh, c'est bon, t'as fini de parler. Oui, tu peux bouger maintenant. Utilise le stick gauche pour marcher. Un prochain. Ah, pardon, c'est prochain. Oui. C'est qui le bon garçon? C'est qui le bon garçon? Bof. Je pensais que tu pouvais parler. Je peux. Bref, c'est mon nom. Il est trop cool. Il est beaucoup trop cool. Attendez, non, faudrait une voix parce que c'est la mort. Il faudrait une voix qui passe bien avec la mort. Elle pourrait zozoter un petit peu. Bienvenue de l'Afterlife. Oui, tu es mort. Pas de problème. Ici, ton âme reposera en paix. Tant que tu fais pas trop d'histoire.
Mais je dois retourner à la vie. Et tu quoi? J'ai dit que je devais retourner à la vie. Oh, désolé. C'était pas entendu. Il y a trop de bruit ici. Ouais, d'où vient cette musique? Tu me disais retourner à la vie? Mais tu viens à peine d'arriver. Ouais, je sais. Et je suis désolé, mais... Et je suis sûr que c'est une très bonne raison. En fait, je peux d'ailleurs le vérifier. Je sens un coup d'œil à ton dossier. Ah bah non! Mais qu'est-ce que c'est? Mais ça n'a aucun sens! Mais tu tiens le livre à l'envers! Oh, tu as raison! Ok, alors laisse-moi voir. Je comprends mieux pourquoi tu veux y retourner. Un moment, s'il vous plaît. Lente et grave. Comment ça, lente et grave? Ah, pour la mort! Bah du coup, non, ce serait une mort qui zozote. Et coucou Claire, comment tu vas? Chuchotement, chuchotement, chuchotement. Il y a autre chose à faire dans ce jeu que de me caresser, tu sais? Je sais, mais je m'en fiche. C'est qui le bon garçon? Oh, tu peux le faire qu'une fois. Ok, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, merci. La porte est fermée. Portrait du Dr. Krull. Pixel sur toile. Afterlife, un endroit de rêve pour lequel il faut mourir. C'est... Employé du millénaire. Et sûrement du prochain. Wow! Ce livre contient toute ma vie! Maintenant, je n'ai plus à me soucier d'écrire mon autobiographie. Eh mais attends, mais c'est super mal écrit. Peut-être que je devrais effacer certains moments embarrassants. Comme la fois où j'ai accidentellement appelé le professeur maman. Alors qu'en plus, c'était un homme. Hey, mais attends, mais j'avais 5 ans. Je peux entendre des gens parler. Il y a des questions en suspens dans le dossier. Et ça pourrait être un problème. Et si cette âme entend parler du portail? Docteur Krull ne va pas aimer ça. Exactement. Tu sais ce qu'il faut faire? Détends-toi. On s'en charge. Très bien. Souhaitez-moi bonne chance. Attends. Tu dois d'abord apprendre à te battre. Pourquoi penses-tu que je sais pas me battre? Oh, pardon. Tu sais te battre? Non. Donc je vais t'apprendre. Suis-moi. C'est quoi le nom du jeu? C'est Restless Souls. Attends, je te l'écris, ce sera plus simple. Permettez. Et hop là. Bienvenue au tutoriel. Je serai ton guide. Tout d'abord, tu vas apprendre le dash. Attendez, j'entends un petit chien qui fait un truc. Faut que j'aille voir s'il fait pas de bêtises. En train de manger le pied de son nouveau coffre. Bon, prends note. Mais j'ai même pas de stylo. Appuie dash ou le bouton LT pour esquiver les balles. On peut essayer avec des balles à blanc. Qu'est-ce que tu t'en fous, t'as un fantôme? Non.
Ah là là, les animaux, exactement. Tu sembles maîtriser l'art de l'esquive. Je viens juste d'appuyer sur tous les boutons. Suis-moi dans la pièce suivante. Je vais t'apprendre à tirer. À tirer? Mais je suis un pacifiste, moi! Tu le feras pour atteindre la paix intérieure. Ok, apprends-moi à tirer alors. Tu peux tirer dans toutes les directions. Pointer et tirer à l'aide du stick droit, comme dans Isaac. Maintenant, essaie de battre les ennemis. On peut essayer avec des faux ennemis? Non. Je t'ai appris tout ce que je sais. Pardon, je t'ai appris tout ce que je sais. C'est tout? Ben... oui. Je suis qu'un chien fantôme, tu sais. Tu t'attendais à quoi? Tu devrais être impressionné. Ah pardon, je suis impressionné. Bref. Tu devrais partir. Professeur Woof, succès déverrouillé. Oh non, un petit chat. Chat vu, 1 sur 1000. 1 sur 1000? Mais c'est beaucoup! Je pourrais jamais débloquer cet exploit! Chat vu, 1 sur 10. 1 sur 10? Mais c'est trop facile! Tu m'emmerdes! Tu l'as achevé! Et t'es content maintenant? Donc, ça la voix verrouillée et déverrouillée, en même temps! Il suffit de jouer! Exploit réussi. Yes! J'ai réussi mon exploit. Tu as trouvé une potion. What? Oui, notre personnage a râlé, du coup il a eu le succès direct. Oh non, lavez-la! Elle fait quelque chose! Fuir? Je pensais plutôt à un combat! C'est vrai! Qui voudrait s'enfuir? Moi! Tu ne vas pas interférer avec les plans du Dr. Krull! Même si je sais pas vraiment quels sont ses plans! Piou piou piou! Piou! Piou 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 piou! Il a cassé le quatrième mur. Et ouais, il y a que 3 murs ici, pas de quatrième. Pas le temps. La bataille est terminée. Tu as gagné. Au fait, je suis le narrateur. Ravi de te rencontrer. Je me demandais bien d'où venait cette voix. Piou piou piou. Oui. Je le fais vachement bien. Avant de partir, je suis sûr que tu as beaucoup de questions à me poser. Oui. Quel est le mot de passe du Wi-Fi? À propos du portail qui permet de retourner à la vie. Ah, oui, c'est vrai. Que sais-tu à ce sujet? La légende dit que le portail est verrouillé, avec 8 clés. 8 clés? Mais ça fait plus que 7. Il ne pouvait pas utiliser une bonne clé? Non, sinon le jeu serait trop court. C'est vrai. Tu devrais aller les trouver. Je pense que tu peux le faire. Je le sens. Comme cette énergie qui vibre. Je pense que c'est ton téléphone qui vibre. Ah, pardon. Je pense que c'est ton téléphone qui vibre. Ah, oui, c'est vrai. Tu as un téléphone aussi. Tu devrais y jeter un coup d'œil. Appuie sur le menu pour accéder à ton afterphone. Il y a des tas de fonctionnalités super sympas. Et tu peux prendre des selfies giga stylées, avec un filtre chien. Et il y a aussi des informations utiles. Ok, je dois répondre. À plus tard. Je peux vraiment prendre des selfies en plus.
tu as trouvé la lettre A. A comme... Une de 9 lettres trouvées dans Alpha Town pour former Alpha Town. Tu as trouvé une potion. Tu sais que je peux te voir derrière cette plante. Je vois pas de quoi tu parles. Je suis qu'une plante ordinaire. Les plantes ordinaires ne peuvent pas parler. Je suis d'accord avec la plante. Attends, quoi? Moi aussi, je suis d'accord avec la plante. J'espère que personne ne préviendra le docteur Krull à mon sujet. Je vais tout raconter au docteur Krull à ton sujet. Merde. Enregistrement de l'âme. Ouvert 24 sur 24. Sauf lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Dimanche à confirmer. Alpha Town. Une nouvelle aube, un nouveau jour, une nouvelle vie. Dans cette vieille ville. Yes. Oh mon dieu! Un point Google Maps. L'armée de Dr. Krull. Attendez, on va essayer de lui faire une voix de l'au-delà. Mais pourquoi ça fait pas d'effet? Ah voilà. Très bien. L'armée du Dr. Krull a construit une tour au nord de la ville. Que penses-tu qu'ils y cachent? Peut-être le portail pour retourner à la vie? Je ne pense pas. Personne ne sait où se trouve le portail. Si tu le cherches, le docteur Krull le remarquera. Alors quel conseil peux-tu me donner? Il va falloir que tu t'habitues à la mort. Ça craint. Cool, une table flottante. Pas si cool quand tu essaies de manger, par contre. Ça a l'air nul à yesh. Nul l'au-delà, quand même. Il cache des squelettes. C'était donc ça. Je pense que c'est un petit peu tôt pour les décorations d'Halloween. C'est qui que tu traites de décorations d'Halloween? À toi. Je suis désolé. Je savais pas. Tu trouves que c'est trop? J'ai déjà décoré. Oui, à moi aussi. D'accord. Docteur Krull est vraiment effrayant. Tu l'as déjà rencontré? Ben vraiment. Mais j'ai entendu parler de certaines légendes. Comme quoi? Une fois, il a brûlé une ville entière, juste parce qu'ils avaient froid. C'était pour les réchauffer, c'était sympa. Le réfrigérateur est fermé à clé, la nourriture doit être très chère ici. Il n'a pas l'air très confortable. Même pour un personnage en 2D. Une table sans chaise. Ah ah! Tu as trouvé la lettre I. Ah non, donc ça formera pas Alpha Town. C'était une coïncidence. Euh,
parce que j'ai laissé quelque chose dans le four. Oh mon dieu, cette blague a fait un four. Ah ouais, je sais flotter, mais je sais pas passer au-dessus de l'eau. Oh non, je deviens tout émotif quand je contemple l'horizon. Je suis là, tout seul. J'essaie de retrouver le chemin de la vie. Pourquoi ne puis-je pas laisser tout ça derrière moi? Est-ce que ça a encore une importance? Bon, ça suffit. Tombe numéro 3. Bienvenue au bâtiment mystérieux numéro 3. La légende dit que tu visites tous les bâtiments mystérieux dans le bon ordre. Quelque chose de magique se produira. Je suppose qu'il faut d'abord les trouver. D'accord, j'ai inventé cette légende, mais je pense que c'est vrai. Et sinon, pourquoi serait-il numéroté? Pas bête ce qu'il nous dit. Bonjour, je suis le maire d'Alpha Town. Oh, enfin pas vraiment. J'aime juste prétendre que je le suis quand il n'est pas là. Pas bête. Ma maison est vide, parce que les biens matériels n'apportent pas le bonheur. Je plaisante, je suis pauvre. Oh, petite bichette. Ne me parle pas. J'ai pas fini d'apprendre mon texte. Pardon ? J'ai toujours voulu être le personnage principal. Eh ben, c'est un peu trop tard. Non ! C'est mon jeu maintenant. Attends, tu n'as pas d'argent, pas d'inventaire. Et tu as progressé de 0%. Ah oui, je viens juste de commencer. Tu peux reprendre, j'ai la flemme. Je plaisante. Je vais la reprendre. Très bien. Zone Wi-Fi gratuit. Ah, donc pas besoin de code. Fin de la zone Wi-Fi gratuit. Ah. C'est triste. C'est vrai que c'était un peu triste, sa pauvre histoire, oh mec. Quand je me tiens ici, les ventes augmentent radicalement. Ces cartes sont vraiment très chères. T'en veux une ou pas? Ok, file-moi une. Tu as acheté une carte. Attendez une minute. C'est juste un morceau de papier qui dit « Tu es dans l'afterlife ». Pas de remboursement. Mais quel connard. Mais par contre, là, il y a trop de directions possibles. Est-ce que je peux accéder à la tour? Personne ne peut entrer. Est-ce que je peux rentrer? Bien sûr. Mais tu l'as laissé rentrer! Oui, il fait partie de notre armée. Est-ce que je peux faire partie de votre armée? Personne ne peut rejoindre notre armée. Je peux rejoindre votre armée? Bien sûr. Bon, allez! Oh, je plaisante. Je travaille même pas ici. Tu as l'air en forme. Tu veux travailler pour nous? Bien sûr, merci. Maintenant, tu peux pas rentrer. Mais vous me pétez les couilles. Les intrus seront qualifiés de tous les noms. Et ça fait mal. La fraude, ce mec. Bah ouais, mais la fraude paye, hein, visiblement. Macron avait donc raison. Le docteur Krull a dit que nous n'avions pas le droit de visiter les ruines. Maintenant que tu le sais, tu veux vraiment y aller, n'est-ce pas? Ouais, un peu. Et tu es pas censé donner toutes tes potions. Mais tu veux vraiment me les donner, n'est-ce pas? Non, pas vraiment.
Ça valait le coup d'essayer. C'est vrai que ça valait le coup d'essayer. Yo yo yo, je suis en train de m'installer et je suis arrivé aujourd'hui. J'espère que cet endroit a des merveilleux feux de circulation. J'espère aussi. J'aime l'humour du jeu. L'humour du jeu pour l'instant est très cool. Ouais. Avec cette statue, la mémoire de notre premier résident vit à jamais. Il a l'air si vivant. Eh ben, je suis pas vraiment une statue. Le sculpteur m'a demandé de rester ici. Mais j'ai bien revenu. Et je commence à penser que c'était pas vraiment un sculpteur. Mais pourquoi tu descends pas? J'ai peur de l'eau. Tiens. Le docteur est en vacances. Reste en bonne santé. Mais c'est un jeu de combat! Il y a des ordures ici. Ah! Je sais pas vraiment à quoi je m'attendais. Tu as toujours une vision aussi négative des choses. Et merci beaucoup pour le follow, Zoro Juro. Bienvenue à toi. Non. Non. Sois positif. La dernière fois que j'ai été positif, on m'a dit que j'avais le Covid. Ruine Alpha. Rien d'intéressant, vraiment, on n'y va pas. Piou piou piou. Es-tu un archéologue? Oui. Sais-tu quelque chose à propos d'un portail? Baisse d'un ton! Tu vas nous attirer des ennuis. Viens par ici. Je sais juste qu'après avoir installé le portail, il reste fermé pendant très longtemps. Alors, vite. Merci de me l'avoir dit. Attends, as-tu trouvé quelque chose d'intéressant dernièrement? Eh bien, il y a cet artefact vraiment cool. Oh, je peux le voir. Tu as marché dessus. Désolé. J'allais dire, être positif, c'est ce qui m'a tué. Aïe. Ça fait mal. En vrai, être positif, des fois, c'est pas forcément une bonne chose. Hein. C'est dangereux d'y aller seul. Alors tu m'accompagnes? Non, c'est dangereux même si on y va à deux. Alors tu vas me donner une arme? Une épée peut-être? Non, c'est dangereux même si tu es armé. Y'a un moyen de rendre ça moins dangereux? Oui. Reste chez toi. La porte est fermée. Voilà ce qui est écrit dessus. Insérez la première clé. Le docteur Krull m'a envoyé pour vérifier si quelqu'un a essayé d'ouvrir cette porte. Essayes-tu d'ouvrir cette porte? Non, pas du tout. Bien. Quelqu'un d'autre essaie de l'ouvrir? Non. Bien. Parce que je ne vois rien avec ces lunettes. Mais j'ai l'air si cool. Je peux pas lui demander d'ouvrir la porte? Chien. Le confinement, c'est ça. Sacré petit confinement. Cela dit, j'aimerais bien un petit confinement comme ça après. Je suis tranquille et je peux aller balader mon chien en mode tranquille. Tu n'as pas idée. Tu ne peux plus transporter de potions. Et hop là! Tu as trouvé la lettre L pour Afterlife. Comme la série qui n'a qu'une seule bonne saison.
Allez! Tu as trouvé la lettre R. Ah, tu penses que la clé est dans le trou avec le mineur? Mais je crois que c'était juste pour la vanne. Tu as tout gâché. Non, elle doit être ailleurs. Mais c'est vrai que ça aurait pu. Et comment tu vas, Zoro Juro? Route vers Waterfall Town. Tu ne peux pas aller à Waterfall Town. Une importante découverte y a été faite et elle est étudiée par le Dr. Krull et son armée maléfique. Et je veux dire, son équipe super sympa, hein, et waouh, trop des gars cool. C'est mieux. Est-ce que j'y ai déjà joué? Non, je découvre actuellement là. Mais c'est plutôt cool. Allez, j'ai vraiment besoin d'accéder à cette tour. Pourquoi? Utiliser la psychologie inversée. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais pas me laisser entrer. Tu essaies d'utiliser la psychologie inversée? C'est une super idée, vas-y. Je n'ai pas besoin de ton approbation. Je compte pas sur ça. Attends, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Laisse-moi t'expliquer avec une chanson. Oh non, pitié. Arrête de chanter. Je déteste les comédies musicales. Arrête. Yes. Tu l'as dit d'un coup pour le Afterlife? Bah c'est un peu évident en fait, parce qu'on nous a parlé de l'Afterlife au départ. Au début je pensais que c'était Aftertown comme la ville, mais il y a un I. Donc c'est ce qui me semble le plus évident. Je suis effrayé, pardon, c'est pas la bonne voix. Je suis effrayé à l'idée d'aller à l'étage. Il doit y avoir beaucoup d'ennemis, ça c'est sûr. Oh non! Je ne peux pas y aller, mais je dois y aller! Je comprends, parfois tu dois faire tes preuves. Non, je dois juste aller aux toilettes. C'est à l'étage. Je suis sûr qu'il y en a dehors. Oh génial! Je parlais d'un ennemi, pas d'une salle de bain. Bah, il va se débrouiller. Piou piou piou! Eh bien bonjour! On cherche la meilleure façon de te combattre. Qu'as-tu trouvé jusqu'à présent? Rien! On ne te connaît pas très bien. Si tu as 5 heures devant toi, je peux te raconter l'histoire de ma vie. Non merci, ça ira. Tout a commencé il y a si longtemps. On ne va pas écouter ça. T'aurais dû, parce que c'était vachement cool. Piou piou piou. Piou piou piou. La bataille est finie. La bataille est finie. Tu as trouvé 0 points d'expérience. XP ne compte pas dans ce jeu. Ok, si ça peut te rassurer, disons que tu as obtenu 100 points d'expérience. Yes! Vivement le niveau 2, là! Je regarde s'il n'y a pas des salles secrètes. Mais j'adore comment il se déplace avec ses petits bras, là. Oh non. On est pacifiste! On ne t'attaque que si tu nous attaques! Et on devra t'arrêter sur place. Est-ce que tu peux me laisser passer cette fois? Laisse-moi y réfléchir. Bien. Après le combat. Oh. Je vais niquer tout le monde.
Je ne pensais pas que tu arriverais aussi loin. Sans vouloir t'offenser. Bah, ça reste super offensant. J'ai même envie de dire hashtag pas cool. Et merci beaucoup pour les j'aime sur TikTok. C'est très gentil. Ça, c'est hashtag cool. Te voilà. J'ai oublié de te demander quelque chose. Tu vas me demander si je peux rejoindre ton groupe pour combattre ces ennemis. Quoi? Mais quels ennemis? Oh bordel. Oh, je viens de me rappeler, j'ai un rendez-vous. Je vais t'envoyer de l'afterlife. Est-ce que ça existe au moins? On va voir ça. Piou piou piou, piou piou piou. On dirait que tu commences à t'y faire. Il ne reste plus que 297 batailles. Je plaisante, je les ai pas comptées. Il pourrait y en avoir plus. C'est vrai. Tu as trouvé un livre. Il s'appelle « Comment gagner toutes les batailles ». Mais tu as oublié tes lunettes de lecture. Peut-être qu'un ennemi pourra te le lire. Bonne chance pour ça. Tu as trouvé un livre. Et ça me le redit. J'ai appuyé trop vite. Fuck. On dirait l'intitulé d'un de tes coffres, c'est vrai. J'ai trouvé la lettre F. Le portail ne s'ouvrira qu'à celui qui possède les 8 clés. Je les avais autrefois et je les ai perdues. Rétrospectivement, j'aurais dû acheter un porte-clés. Merci de m'avoir sauvé. Mes frères et moi avons refusé de rejoindre l'armée du Dr. Krull. Nous avons donc été enfermés et séparés. Peux-tu nous aider? Nous sommes censés nous retrouver à Silver Pound. Ok. Bah, go les aider. Hein. J'ai entendu dire que certaines personnes se battent à tour de rôle. Et quoi? Mais qui ferait ça? Je suis censé rester là pendant que tu me frappes? C'est complètement débile! Je sais! Ça n'a aucun sens! On est d'accord! Le tour par tour, c'est de la merde! Bon travail! Attention! Les batailles pourraient devenir plus difficiles! Ou pas! Ça dépend de la conception du jeu! Dans tous les cas, continue de jouer! Attendez, il faut que je boive un peu! Et comment ça va, vous? Est-ce que ce jeu vous plaît pour l'instant? Il y a une note sur la table. Appuie sur le bouton A pour commencer le combat de boss. Appuie sur le bouton B pour une surprise. Il n'y a rien de pire qu'un combat de boss. Surprise. Surprise. Si tu veux la clé, tu devras me battre. Et si je veux pas de clé? Tu n'aurais pas dû appuyer sur n'importe quel bouton. Piou piou piou, piou piou piou. La bataille est terminée. Tu as gagné. Maintenant, va chercher cette clé. Je vais dire, si tu veux. Est-ce que le jeu est gratuit? Non, mais là, il était en réduction, donc il coûtait plus très cher. Je sais plus pour combien je l'ai acheté.
Oui, c'est vrai que les bruits de bataille sont pas super agréables, je te l'accorde. Tu as trouvé la première clé, c'est génial. C'est ce que je dirais si le docteur Krull et son armée ne la cherchaient pas. J'ai trouvé la lettre E. La mort n'est pas la fin de la vie. Aussi, pourquoi est-ce que je laisse des notes sur des murs ? Peut-être que je devrais commencer un blog. C'est vrai. Et re, Lucie, comment tu vas ? Bienvenue ? Oh bah non, Matos doit vraiment lui dire au docteur Krull. Mais va lui dire et fous-moi la paix. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Tu allais le dire au docteur Krull ? Bien sûr, merci. Je suis complètement con. Bah écoute, ça va de même. Arrête de me suivre. Je te suis pas, c'est juste que je me dirige aussi vers la sortie. Oh d'accord. Alors, arrête de marcher aussi vite. Non. T'es en retard pour la bataille. Ouais, je sais. J'ai pas entendu le réveil ce matin. Tu crois qu'on peut la reporter ? Je pense pas. J'ai déjà battu tous les autres. Oh, je vois. Ben, je vais te combattre seul alors. Très bien. Pourquoi pas à la première heure demain matin ? Demain matin ? Oh non, je préfère dormir. Il a bien raison. J'ai fait tout le chemin depuis Beachstown pour te remettre cette lettre. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? Une mauvaise nouvelle. Alors j'en veux pas. Oh ! Tu penses qu'en l'ignorant, il va tout bonnement disparaître ? Oui. Eh ! Bah ça a marché. Moi aussi, j'ai reçu deux lettres des impôts et qui crient « Urgent !» Bah, j'ai pas lu et je reçois plus, hein. Maintenant, j'ai reçu un nouveau courrier, c'était « Huissier Urgent !» Maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est rester en dehors du champ de vision du Dr. Krull. Oh. Quoi ? La musique s'est arrêtée ? Ça ne présage rien de bon. Oh, il est juste derrière moi, c'est ça. Je veux pas regarder. Ouf. C'était juste... Oh, en fait, je suis là. Tu veux trouver le portail à tout prix, hein? Je ne te laisserai pas le trouver. Tu as perdu la première clé. Oh mec, je viens de recevoir ça. Attends. Mais je suis pas mort! Enfin, je suis pas mort! Mais j'ai juste été assommé! Je pense que je peux continuer! Fin du chapitre 1. C'est mieux! Où suis-je? Attends voir. Mais je peux passer à travers les barreaux! Liberté! Ne le dis pas aux autres détenus, je t'en prie! Ils savent pas tous qu'ils peuvent le faire! Je peux y retourner, bien que ce soit agréable d'avoir un toit au-dessus de la tête. Je reviens tout de suite. À moins que vous ne me trouviez pas. Du coup, est-ce que je peux lui dire à lui ? Au secours ! Je suis pas censé être ici. C'est ce qu'ils disent tous. Non, écoute. Je suis un gardien, je travaille ici. C'est exactement ce qu'ils disent tous. Tu parles ! C'est ce que le prisonnier qui m'a dit ici m'a dit.
Au moins, je n'ai pas été mis à l'isolement. Je viens tout juste d'en sortir après 10 ans. Prisonnier numéro 333, tu as fait 20 ans. Tu es libre de partir. As-tu quelque chose à dire? Oui? C'est pas à toi que je m'adresse. Oui? Enfin... Adieu, prisonnier 333. Tu ne vas pas me moquer, ça c'est sûr. Bon, que voulais-tu dire? C'est moi le prisonnier 333. Non, le pauvre. Est-ce qu'ils s'en prennent encore à ceux qui essaient de retourner à la vie? Oui, c'est pour ça que j'ai atterri ici. Il m'est arrivé la même chose. Tu dois m'aider. Je vais t'aider à t'échapper pour que tu puisses m'aider. En y réfléchissant, c'est calme et tranquille ici. Je devrais revenir après avoir battu... Tu devrais revenir après avoir battu tout le monde. Mais quel... Je vais commencer un journal pour essayer de préserver ma santé mentale. Jour numéro 1. Aujourd'hui, je suis... On dirait que son stylo n'avait plus d'encre. Mince. Hé, j'étais le prisonnier du mois. Mon père serait fier. Je ne le suis pas. Ouais, on n'était pas très proches. C'est génial. Putain, c'est tellement le genre d'humour que j'apprécie grandement, ça. Que veux-tu, prisonnier numéro 09121805015-112180922-1 01922-25032-666 point d'interrogation. Y a-t-il vraiment un point d'interrogation dans mon nom ou est-ce que c'est une question? C'était une question. Ah d'accord. Y a-t-il vraiment un ton de prisonnier? Oui. Tous ceux qui ne suivent pas les lois du Dr. Krull finissent enfermés ici. Bien. Bien qu'on dirait que le garde qui t'a inscrit et s'est endormi sur son clavier. Eh oh! Où va-t-on? Tu vas revenir? Oui? Vraiment? Ah, c'est bien! J'aimerais que tous les prisonniers soient comme toi! Mais du coup, est-ce que j'ai eu toutes les litres, toutes les lettres de la première ville? Je sais pas. Ton esprit est la prison dont il est le plus difficile de s'échapper. Waouh! C'est profond! Non! C'est juste le nom de notre prison. Prison de ton esprit. Oh, je vois. Je suis revenu. Que veux-tu, prisonnier? Non, c'est bon, je vous la refais pas, c'est bon. Gloomy Forest, en mémoire de tous les arbres coupés en vain. Je suis déçu, nous dit Clem. Je pense que ce panneau est en bois. J'aime pas décevoir Clem. Je disais, que veux-tu, prisonnier 09121805015-01922-01-9-2-20-25-03-92-666 point d'interrogation. Je suis désolé pour les autres viewers. Je me suis gouré. Je voulais rien du tout. On dirait que quelqu'un a oublié ses affaires ici. C'est une sorte de test. On est juste à côté d'une prison. Je suis heureuse maintenant. Route vers Alpha Town. Ah ah! Donc je vais y retourner. Pour trouver la prochaine tour, il faut aller à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Tu veux que je répète?
Ouf. J'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Tu as dit à gauche, puis à droite, puis à gauche, puis à droite. Qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai regardé un documentaire sur le minimalisme. J'ai décidé de commencer une nouvelle vie ici. Tu l'as vraiment décidé? Eh bien, je me suis débarrassé de toutes mes possessions. Donc les affaires que j'ai vues tout à l'heure, là-bas, c'était les tiennes? Elles sont toujours là! Oh Dieu merci! Ouais, ça me paraît pas très convaincant. Oh mon Dieu! Alors, pourquoi veux-tu retourner à la vie? Je peux pas te le dire. Pourquoi pas? Ce serait un spoiler! Oh allez! Personne ne nous écoute! Je les écoute probablement pas! Ça veut dire... des bruits d'herbe, des bruits d'herbe. Est-ce qu'il vient vraiment de dire bruit d'herbe? Oui. Et il le faisait vachement bien. Oh mais attends... J'ai l'impression qu'à chaque fois que tu dis quelque chose, il y a quelqu'un pour me contredire. C'est pas vrai! Quand j'essaie de parler sérieusement, quelqu'un fait une blague! Ça se reproduira plus! Dans cette conversation! Merci beaucoup pour le follow, Titi! Attention à gros minet! Si je veux avoir une conversation privée, il y a toujours quelqu'un qui écoute! Oui, continue! Et si j'ai besoin d'un conseil, j'ai l'impression que personne ne m'écoute. Oh, désolé, tu me parlais? Je vais tester des nouveaux écouteurs invisibles. Il ne peut pas m'entendre, il écoute ces nouveaux écouteurs invisibles. Ou peut-être qu'il ne veut juste pas me parler. Je teste vraiment mes écouteurs. Attends, mais comment tu m'as entendu? Je t'ai pas entendu. J'ai juste lu le texte sur l'écran. Oh, je t'ai eu. Attends. Est-ce que je peux atteindre le truc qui est là-bas? Eh bien, c'est gênant, mais... Je sais pas nager. Voilà, c'est dit. Peut-être que si j'avais un gilet de sauvetage... Ah ah. Ce chemin mène à Waterfall Town. Est-ce que ça s'appelle comme ça parce qu'il y a une grande chute d'eau? Oui. Les noms des villes sont généralement assez précis. C'est une chance qu'il n'y ait pas de Dr. Skrull Town alors. Non. Mais nous sommes dans la région du Dr. Krull. Ah, ça craint. Maison de l'une des deux merveilles de l'Afterlife. Parce que la première, c'est moi. Bibliothèque publique. C'est difficile de faire ce que dit ce livre. Il n'est jamais trop tard. Ça s'appelle comment? 100 choses à faire avant de mourir. Et c'est peut-être un autre livre. Je ne trouve aucun livre sur le Dr. Krull. On peut pas vraiment parler ou écrire sur lui. Mais c'est de la censure. Non, c'est pas de la censure, il a dit que c'était pas de la censure. Tu sais, c'est un peu comme le gouvernement français, il censure pas, mais t'as pas le droit de le faire. On devrait quoi? Et tu penses quoi du Dr. Krull? Je l'adore. Génial le moment de la censure. Je kiffe. Mais cette recette n'a aucun sens. Beignet, 2. Légumes mixtes, 5. Croustilles de carottes, 8. Soupe à l'ail, 10. Je pense que tu regardes le sommaire. Oh, je vois. Et pas étonnant que c'est un goût affreux.
lire me donne envie de dormir. Peut-être que tu dors vraiment et que c'est juste un rêve. Je ne pense pas. Je rêve toujours de tomber. Ça n'a aucun sens. Comment rester éveillé pendant la lecture? Attends, ça devrait pas être un livre audio? Comment briser le quatrième mur des jeux vidéo? Fier d'être préjudiciable. Marcher dans les roseaux sans se faire prendre. Bon griffe, un guide pour profiter de l'afterlife. Faire revivre un oiseau moqueur. Comment être ennuyeux dans une bibliothèque. 101 conseils. Chut! Je vous prie, c'est une bibliothèque. Je suis désolé, mais comment Garvug est censé savoir ce que je regarde? Dealer dehors. J'aime ce jeu, nous dit Clem. Je suis bien d'accord. Est-ce que tu as des livres sur la façon d'échapper à l'afterlife? On a celui-ci. Il s'appelle Échapper à l'afterlife. Oui, j'ai changé de voix. Pour les nuls. Mais je suis pas un nul. Eh bien, je présume que tu n'as pas besoin de ce livre, alors. 1983. Attends. Écris ta propre histoire. Hé, ce livre est vide. Oh, j'ai compris. Je dois écrire ma propre histoire. En fait, quelqu'un a volé toutes les pages. Tous les savoirs à portée de main. Je ne peux pas l'atteindre. Putain, mais c'est que des jeux de mots pourris, c'est génial. Soyez calme. Enfin, silence, je vous prie. 1000 ans de solitude. Comment perdre ses amis et ne pas influencer les gens? Fahrenheit 450, l'étincelle manquante. Toujours endosser les conséquences de ses paroles. Anonyme. Le jeune homme et la mère. Ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Peut-être dans quelques années. Ah, ça va toujours donner Afterlife, c'est nul. Peux-tu m'aider à trouver la section d'auto-aide? Non, tu dois la trouver toi-même. Et pourquoi pas celui-ci? Sans chose à faire après sa mort. Ça sonne mieux. D'abord, il faut gérer le regret de ne pas avoir fait les 100 choses à faire qu'on aurait dû faire avant de mourir. C'est un très bon conseil. Le docteur est absent, car il est encore malade. J'espère que ça ira mieux bientôt. Merci. Mais qui a dit ça? Il n'y a que des ordures ici. Le Père Noël. Père Noël? Mais qu'est-ce que vous faites ici? Eh bien, il s'avère que conduire un traîneau est plus difficile qu'il n'y paraît. Rep. Late Bar, demande notre vin gris spécial. C'est comme du vin rouge, mais le rouge ne correspond pas à la palette de couleurs du jeu. Happy Hour, de minuit à minuit. Heure de tristesse, le reste de la journée. Wouh! Ça sent bon! Est-ce que tu cuisines? Qu'est-ce que tu cuisines, pardon? Rien. C'est ma nouvelle eau de Cologne. Elle n'est pas aussi bonne qu'elle se sent. En même temps, je l'aurais pas bu, perso. J'ai perdu tout mon argent de cheval. T'as pas un problème avec l'alcool? Non, j'ai juste perdu mon portefeuille. Oh.
qu'est-ce que tu faisais de base? Ok, tu m'as eu. Il y a un truc derrière la maison du docteur. Mais il y a le truc de la bibliothèque, mais je peux pas marcher par-dessus. Bibliothèque privée. Après, est-ce que c'est pas parce qu'il y a un truc caché? Peut-être un moyen d'aller dans la bibliothèque privée. Peut-être plus tard. Et merci pour les roses. Bienvenue Cédric, comment tu vas? J'ai gagné tout mon argent dans ce bar. Tu es le propriétaire? Non, j'ai juste trouvé un portefeuille. Je peux avoir un verre s'il vous plaît? Je sens du vin, des fruits, du chocolat et une note de bière. Wow, et tiens d'expert. Merci. C'est juste une sacrée boisson. C'était juste de l'eau. Mais on le lave jamais. Mais on ne lave jamais nos verres. Il m'exaspère. Cette technique de cuisson est vraiment intéressante. En fait, c'est la salle de bain. Dégueu. Tu veux la balle? Va la chercher! As-tu vu ma main? Je suis sûr de l'avoir laissée ici! Mais c'est pas grave! Je vais rentrer chez moi pour changer de sprite! Pourquoi tu m'as rien dit? Mais quel petit con! Maison du développeur. Merci de ne pas déranger. Allons lui parler. Qui a trouvé la lettre F? J'ai mis ces lettres là pour te distraire. Merci, ça marche. Je ne peux pas parler pour le moment. Je crée un jeu vidéo. Cool. Tu devras enregistrer les passages les plus drôles et les partager sur les réseaux sociaux. C'est l'idée la plus stupide que j'ai jamais entendue. Eh, ça va, hein. On fait tous des shorts avec ce qu'on peut, ok? Pose des questions sur Restless Souls. Tu as trouvé un bug? On en reparle demain. Cette plante a l'air morte. Bien, oui. On est dans l'afterlife. Logique. Oui. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? Moi qui prends des notes au moment les plus drôles, je suis vexé, nous dit mais oui c'est Clem. Oh mais non. Il fait trop sombre ici. Je sais. Et j'ai pas payé ma facture d'électricité. Pourquoi pas? J'arrive pas à la retrouver dans le noir. Ah, c'est pour ça. Mais attends, mais qui a dit ça? Je pensais que j'étais seul. Je suis juste à la voix de ta conscience. Je suis là aussi. Je suis venu débrancher pour raccorder... pour votre raccordement. Et je trouve plus la porte. Assez. J'ouvre les rideaux. Ils sont combien? Je ferais mieux de les laisser fermer.
trouvé une potion. Tu as trouvé une potion? Ou plutôt, tu m'as volé. Je savais pas que c'était la tienne. Tu es entré dans ma maison sans y être invité, et tu as pris ma potion. Ouais, t'as raison. Du coup, c'est ta télé. Dégage. Non. Tu devrais avoir honte. Et maintenant, les nouvelles locales. Ah, pardon. Et maintenant, les nouvelles locales. Présentées par Dr. Krull. Merci. Si tu essaies de retourner à la vie, surprise, je t'aurai. Et maintenant, la météo. Éteins-la. Et maintenant. Et maintenant, la météo présentée par Dr. Krull. Merci. Le ciel est dégagé, comme toujours. Il peut pleuvoir ou pas. Alors ne sortez pas sans votre parapluie. Et encore, ne sortez pas du tout. Et maintenant, les actualités. Et maintenant, les nouvelles locales présentées par Dr. Krull. Ah ouais, ça se répète. Alors, t'as autre chose qui a de la valeur? Sors! Pas très amical. Eh bien, c'est gênant, mais... je sais pas nager. Voilà, c'est dit! Non, mais moi, je voulais parler à elle. On est comme l'eau dans la rivière. Ouais, on crée nos nouveaux chemins, non? Quand on rencontre un obstacle. Je vais juste dire qu'on est des sprites pixelisés. De basse résolution, comme l'eau. Mais je préfère ce que tu as dit. C'était pro. Maintenant, tu en fais un peu trop. Oh. Tombe numéro 8. Oh ouais, non mais c'est trop chiant, il y en a 8. Bienvenue au bâtiment mystérieux numéro 8. N'oublie pas de visiter tous les bâtiments mystérieux dans le bon ordre. Ouais, s'il y en avait 3, je voulais bien, mais 8, c'est plus. Je suis un peu un expert en mathématiques. Je peux te dire un petit secret? Bien sûr, tu peux me faire confiance. Ok, écoute. Hey, Garvug essaie d'écouter. Va-t'en. Je vais te raconter tout ça plus tard. J'ai entendu ça. Maintenant, on ne sait jamais. Merde. Bon, je vais y aller. Bonne soirée. Bisous à tous. Bonne soirée. Merci d'être passé. À bientôt, peut-être. Des bisous. Je suis sûr que c'était rien. En fait, je connais un raccourci vers le portail qui ramène à la vie. Merde. Regarde cette vue. J'aurais aimé avoir mon téléphone pour prendre une photo. Oh, attends, je l'ai. Oh. Parle pour toi. Avons-nous vraiment le choix? Je suis venu ici pour me vider la tête. Me remettre les idées en place, tu vois. Et ça a marché? Trop. Maintenant, je me souviens plus où j'habite. Ah. S'asseoir pendant un moment, oui. Vos pensées les plus... nos pensées les plus profondes et nos révélations intérieures naissent dans ces moments de silence. J'ai faim. Je crois qu'il a faim. En as-tu assez? En as-tu assez d'être calme et détendu? Non. Oui. Ouais, ça devient ennuyeux au bout d'un moment.
peux pas ouvrir la barrière de sécurité. Pas grave. Tu ne peux pas m'arrêter. Ah ah. Quelle belle journée pour un sprite 2D. Entièrement d'accord. Merde. Allez, on s'en occupe. Y'a pas de temps pour avoir peur. On m'attend. Comment franchir la porte de sécurité? Utilise ta carte d'accès, tu n'en as pas. Est-ce que tu sais qui je suis? Oui, je sais qui tu es. Oh. Où est ma carte d'accès? La voici. Tu as gagné ce tour. Où est-ce que je peux en avoir une? Je sais pas. J'ai pas conçu ce jeu. Qui l'a conçu? Le développeur, bien sûr. Ah, donc je peux aller voir le développeur. Tu es là pour la carte d'accès. Waouh, comment tu sais? Eh bien, j'ai programmé tout ça. Tu connais les numéros gagnants du loto? Non. Cette partie a été faite par un freelance. J'aurais peut-être dû demander les numéros gagnants. Quoi qu'il en soit, voici la carte d'accès. Tu as obtenu la carte d'accès. Merci. Comment puis-je te remercier? Peut-être avec de l'argent. Ha! Quelle blague! C'était pas une blague. Bizarre parce que ça me mettait le truc de l'appareil photo. Si on va prendre une photo partout où on se croise? Oui, tu es mon personnage préféré. Il a bien raison. Vive les bébés chiens. Regarde, j'ai une carte d'accès. Mais putain! Mais où est le portail de sécurité? On l'a vendu. Son entretien a coûté trop cher. Mais qu'est-ce que je vais faire de cette carte d'accès maintenant? Tu peux me la donner, je la collectionne. Ok, prends-la. Merci. Je vais l'ajouter à ma collection. Combien de cartes as-tu maintenant? 2. La carte que tu m'as donnée dit date d'expiration le 01-20-1992. Ah. L'ascenseur A va à un étage plein d'ennemis. L'ascenseur B va à un étage truffé de pièges mortels. L'ascenseur C va à un étage plein d'ennemis et de pièges mortels. Et qui va prendre... Mais qui va prendre l'ascenseur C? Les ascenseurs A et B sont en panne. Putain, mais il n'en rate pas une, hein. Et quel étage? Le dernier étage, merci. Attends un peu, c'est mon premier jour. Plusieurs heures plus tard. Ce manège prend une éternité. Ça doit être une très grande tour. Oups, j'ai pas vraiment appuyé sur le bouton. On y est. Deuxième étage. C'est seulement le deuxième étage? Bonne journée. Amateur. En cas d'incendie, n'utilisez pas l'ascenseur. Utilisez les escaliers. Pack d'escaliers DLC vendus séparément. Je vais même pas rejoindre l'armée du Dr. Skrull. Mais j'ai pas eu le choix. Soit tu rejoins l'armée, et soit tu finis en prison. Il doit bien y avoir une autre possibilité. Il y en a une. On peut trouver toutes les clés et détruire le Dr. Skrull et son armée.
Quelles étaient les deux premières possibilités déjà ? On va te faire regretter la mort. Je la regrette déjà. Oh. Ok. Ce combat ne changera rien alors. Joli. Ils ont eu ce qu'ils méritaient. On ne peut pas vraiment en être sûr. Ils étaient peut-être sympas. C'est vrai. Je trouve que c'était des crèmes. Ah, super! Doit toujours y avoir une zone sombre dans ces putains de jeux! J'ai raison! Tes yeux sont fermés. Oh! Désolé, c'est ma faute! Mais c'est quoi le délire avec ces tours? Il y a un trésor ici! C'est moi. Bonjour, je suis John Trésor. Je m'attendais à un autre trésor. Oh, tu veux dire mon frère? Non, c'est... Bonjour, je suis Ray Trésor. Je pense qu'il y a eu un malentendu. L'un d'entre vous, c'est-il au moins où je peux trouver un vieux trésor? Oui. Je parle pas de ton grand-père. Oh. Alors non, aucune idée. Porte est fermée. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je plaisante, t'as ouvert la porte. On a échangé des regards. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, on doit se battre. Oh! Je voulais dire qu'on devait s'embrasser. Bon. Oh. Je plaisantais. Je sais. À moi que... Je plaisantais. Je sais. À moi que... Ce jeu me fatigue. Tu peux revenir plus tard, c'est notre pause. Pas vraiment, je suis pressé. D'accord, mais si on te bat, tu nous offres un dessert. En dessert, voici une tarte de phalange. Ah. Il mérite son bisou. Bien joué. Vas-y, j'ai faim. Je vais aller chercher les restes. Petit Edgar qui bouge. Penses-tu que je trouverai un jour un moyen de retourner à la vie? J'ai peut-être être très transparent avec toi. Non mais... On est assez haut ici. Pourquoi me regardes-tu bizarrement? Tu veux que je saute? Oui. Ça semble dangereux. Tu es sûr? Oui. Ok, je le fais. Oh merci mon dieu! Le bouton de saut ne fonctionne pas. C'était un test pour savoir si je te faisais confiance, hein? Attention, on ne peut pas utiliser le dash dans cette pièce. Pourquoi pas?
le sol est couvert de particules anti-dash. Tu viens d'inventer ça? Non. Peut-être. Bravo! Tu avais l'air d'une grenouille qui traverse la rue! Je vais prendre ça comme un compliment! Ça en était un! De ouf! Est-ce qu'il n'y a pas une salle secrète? Hashtag je veux une salle secrète. Non, en général, elles sont indiquées par un truc sur le sol. Et là, il n'y a rien. Et juste pour info, le dash ne fonctionne pas dans certaines pièces. Je sais, ça vient d'arriver dans la pièce précédente. Oh, je pensais que c'était cette pièce. Non, c'était l'autre. T'en es sûr? Oui. Je me suis trompé alors. Ils ont dû la peindre. Écoute, c'est pas si important. Peux-tu juste m'aider à combattre ces ennemis? Quels ennemis? Je pensais avoir un rendez-vous. Mais t'es déjà allé à ce rendez-vous. Non, un autre. Je ne pense pas qu'il avait vraiment un rendez-vous. Merci, Docteur Octopus. Décidément, dans tous les jeux, on t'affronte. Excellent. Le boss attend dans la pièce suivante. Je le sais, parce que j'ai jeté un coup d'œil derrière la porte. Il se changeait, c'était gênant. Je peux comprendre. Moi, c'est bien, il se met sur 131 avant de nous recevoir. Pourquoi y a-t-il autant de monde ici? Je viens juste de me tenter. T'es pas trop petit pour être un boss? Je suis là. C'est un souvenir pour que je puisse te rappeler, pour que je puisse te rappeler de cette bataille. C'est vraiment très gentil de ta part. Maintenant, je vais te détruire. Pas si gentil que ça, finalement. M'en fous, j'ai quand même pris le souvenir. Mais il a tiré plus vite que tout à l'heure. Tu as gagné. Youpi, on peut le garder. La clé? Non, le petit souvenir. Trop mignon. Tu as trouvé la deuxième clé. Tu es le meilleur. Après le Dr. Krull, peut-être. Il a au moins 7 autres de ses clés. Il t'en a même pris une, tu te souviens? Ouais, ouais, pas besoin de me le rappeler. Eh bien, félicitations pour avoir obtenu ta première clé. Encore. Wouhou. Je dois dire au Dr. Scrot que tu as la deuxième clé. Mais cette fois, tu ne vas pas me courir après. Dans toutes les autres pièces, j'ai acheté un téléporteur. Je vais me téléporter directement dans son sato. Voyons comment ce truc fonctionne. Putain, le tricheur. J'étais sûr. Ça n'a pas marché comme prévu. Je devrais arrêter d'acheter des contrefaçons bon marché. Je vais réessayer. Ils vont nous le faire dans chaque pièce. Tu devrais peut-être lire le mode d'emploi. Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. C'était voulu.
je pourrais t'aider avec ça? Voyons voir. Il s'est téléporté tout seul. Je pense que oui. Tu me dois un appareil. Tu as trouvé un dispositif de téléportation. Tu peux maintenant te téléporter avec ton téléphone. Oh cool. Je voulais juste te dire que la route de la ville sombre est maintenant dégagée. Tu ferais mieux d'aller à la Skull Cave. Mais comment t'as eu mon numéro? Je l'ai juste deviné. Impressionnant. Je peux t'appeler si j'ai des problèmes. Je pense que c'est mieux que je te contacte. Quel petit bâtard. Je vais voir s'il n'y a pas des lettres que j'aurais oubliées ici. Je vais fouiller un peu et puis après on va changer de jeu. Parce que je commence à être un peu trop fatigué pour lire. Vu que j'ai un sommeil de merde en ce moment. Ah, ça me disait photo. C'est pas encore Halloween. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire qu'on doit attendre. Non, c'est-à-dire que les photos avec moi ne sont pas gratuites. Je suis le développeur du jeu. Je tiens à m'assurer que tout fonctionne correctement. Vas-y, joue. S'il te plaît, ne dis à personne où je suis. Je veux gagner le championnat de cache-cache. Je suis ici depuis 6 ans. Cette compétition a été annulée il y a 5 ans. Oh. Pourquoi personne ne m'a rien dit? Ils n'ont pas réussi à te trouver. Mais derrière chaque maison, t'es une connerie en plus, quoi. Je vois tellement de choses que je pense que je vais chercher un autre jeu. Je peux te dire l'heure en regardant les étoiles. Il est temps d'acheter une montre. C'est beau. Je peux voir mon reflet. J'ai bonne mine aujourd'hui. Oh attends, c'est pas mon reflet. C'est le voisin. Merci, je suis allé chez le coiffeur. Attends un peu, pourquoi une caméra me suit-elle? Je suis spécial. Je ne suis pas habitué à autant d'attention. Au moins, il y a des endroits où on ne peut pas me voir. Eh bien. Mais... J'ai compris. On est dans le même bateau.
ça débloque des conneries juste comme ça aussi. Non, ça on l'a déjà vu. Oh super, je vais devenir un mème. Allez, plus qu'une. Comme j'ai une clé, est-ce que maintenant je peux ouvrir ici ? Toujours une clef, enfin une lettre. Voilà, elle est dans ce bâtiment. Mais toi, t'étais pas en prison. Tu as déjà purgé ta peine. J'étais libéré plutôt que prévu pour bonne conduite. Et qui a pris cette décision? Moi. Mais avant de m'évader, j'avais une bonne conduite. C'est vrai. Bon, allez. Comment on sauvegarde ? Est-ce que ça sauvegarde automatiquement ? J'ai pas vu de... Cool. Bah voilà qui termine cette première session. Merci beaucoup pour les GG et pour la rose sur TikTok. Merci beaucoup. On continuera donc la semaine prochaine ce jeu, probablement samedi. En tout cas, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Salut, salut.